Beji Caïd Sebsi, l'homme qui a rassemblé autour de lui les cadres et les militants de Nida Tounes. Cette image n'est plus d'actualité. La première force politique du pays qui n'a que 3 ans d'existence est aujourd'hui en crise. Cette crise, beaucoup la décrivent comme une guerre de succession. Sur les 86 députés du parti, 60 contestent le travail du comité constitutif. Les membres de ce comité sont à leur tour mécontents. Ils parlent de népotisme et dénoncent la tentative du fils de Beji Caïd Sebsi de prendre les commandes de Nida Tounes. Ces conflits ont éclaté au grand jour depuis le départ de Caïd Sebsi. Le président a démissionné pour non-cumul de responsabilités. Les ambitions personnelles et l'absence de structure élue ont pris le dessus sur l'union du parti. Selon les observateurs, les divisions au sein de Nida Tounes ont commencé depuis la formation du gouvernement. Les sorties médiatiques des cadres du parti se sont multipliées pour dénoncer cette coalition avec Ennahda. Le parti était considéré comme l'ennemi juré de Nida Tounes.